De nos jours, la dot au Sénégal est devenue une compétition entre les jeunes couples, car elle a connu une très grande évolution par rapport à celle qui existait d'hier. Si la somme était à 6 000 francs, elle est devenue maintenant un phénomène des millions dans les familles des futurs mariés. Cela suscite des polémiques. Par rapport aux différents intervenants, nous avons rencontré Rakindiaye, une mère de foyer qui nous raconte comment était la dot d'hier par rapport à celle d'aujourd'hui. Il y a une grande différence entre la dot d'hier et d'aujourd'hui. Auparavant, ce sont nos parents qui nous donnaient un mariage sans rien demander. Mais aujourd'hui, si on ne vous donne pas 500 000, voire 1 million, on pense que ce mariage n'est pas béni. Mais pourtant, le mariage dont la dot est raisonnable a plus de baraka qu'un mariage financé à hauteur des millions. Conclusion, ça entraîne souvent des divorces prématurés. Je suis allé demander la main d'une fille. N'empêche, ayant discuté avec elle, je lui ai promis de la prendre comme épouse. J'ai demandé à cette dernière qu'est-ce qu'elle souhaite comme dot. Elle a répondu en me disant, je veux que tu m'envoies une grosse somme d'argent pour ma dot. Je lui ai répondu en disant que je ne suis pas contre sa demande, mais le souci en est que je n'ai pas les moyens d'en procurer. Ensuite, elle m'a fait savoir qu'elle m'aime bien. J'ai répondu non car tu m'aimais réellement. Tu n'allais pas me demander cette somme colossale. Ensuite, j'ai fait une analyse critique de la situation. C'est en ce moment que j'ai compris qu'elle a été influencée par ses amis de sa mari. Mais tante, nous avons dit que 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 tay nak tan ngeen tem bu am solo ñu nan ko dot olof diko wax tian mu nek lo xamanteni arab dina ko faral di wax. Vous avez choisi un thème intéressant, la dot. En arabe, cela signifie al mahru ou al sadaqa. C'est ce que symbolise l'union entre deux conjoints. C'est la dot qui prouve que l'homme a le droit sur sa conjointe. Mais cela ne signifie pas qu'elle a accepté sa femme ou il a bien donné la valeur marchande de la femme. Quand vous souhaitez prendre la main d'une femme, il faut prendre ce que vous convient le mieux, ce que ce soit du côté des deux familles. Ce que cela signifie en langue arabe, quelque chose de sincère. La dot peut être beaucoup ou moins. Nga xamne yow ki nga bëgg tak ñu né kat li kat deggu na ci man da nga bëgg tak ñu né waaw ñu né anal lan nga yoré nga né li kon day waral ni motax ñu tuddé ko as-sadaqa lima bëgg def deggu na ci man motax limay génné ma mën ko jox soxna ci mën na bari mën na né na li ngi na mono sanseu bo na yo kana baniga va da senayé. Je ne sais pas si c'est une tendance. Parce que nous avons vu qu'il y a 1 million ou 2 millions. La manière de faire les jeunes filles, c'est juste une tendance. Parce que tout simplement, elles entendent le phénomène des millions de gosses à droite. Alors qu'auparavant, nos parents ont les demandé juste la somme obligatoire à verser à la mosquée. Maintenant, le reste, c'est le jeune marié de voir qu'est-ce qu'il a envie de donner à sa conjointe. De nos jours, c'est devenu compliqué, surtout la mondialisation. Même pour avoir une femme, c'est difficile. Avec les réseaux sociaux, l'internet et tout. Internet, le poudal, mon tach, diamant de 100 ans. I was lost inside the desert, vultures circling around my head. Les autres ont passé là. C'était pas Emmanuel, c'est moi, Emmanuel. Gérard.
C'est sous-estimer la personne. D'autre part, c'est le fait d'être matérialiste. Si la fille fait partie d'une bonne famille ancrée de bonnes valeurs, digne, et vous partagez votre vie depuis à bas âge, s'il envoie sa famille pour demander ta main, tu dois accepter le peu d'argent qu'il t'offre comme dot. Parce que quand vous aimez quelqu'un, tu ne dois pas lui rendre difficile la vie. Et tout ce qu'il vous donne, que ce soit peu ou beaucoup, doit te satisfaire. Les parents en ont une grande responsabilité. Certains poussent leur fille à demander des millions à leur futur mari, puisqu'on a donné des millions à la fille de son ami. Il faut laisser les enfants se marier parce que chacun recevra ce qui lui est destiné. Yay boy nañu delo wat ci war sen xel lepp lu sen doomi dug ñen yi ñoo leen ci dugal buñu jëlé exemple rek ci Ndey Fatou lañ ko may dembu wala Penda Ndjay lañ ko may barké dem may nañ ko 1 million ko sama doom lañ ko wara may 1 million yaangi def fot bu ngandal lool du yefe nit kenn ku nekk la nga am borom bi subhanahu wa ta'ala lool la bind lool ngay am wërsek nak dafa bari lool ta daldi wuté. Dans notre société moderne, on a fait une affaire de compétition, une affaire de statut social, on a fait une affaire de rivalité, mais surtout on a fait une affaire aussi de considération. Si on dit que quelqu'une a reçu 50 000, on va dire qu'elle n'a pas été respectée. Or, les gens oublient, ils font une grande différence entre les textes, qui sont des textes religieux, qu'on appelle chez nous le Nientek Tranche. Nientek Tranche, c'est édicté, c'est encadré par la religion. Ça ne dépasse même pas 5 000 francs ou 6 000 francs. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on appartient à une société mercantiliste, on appartient à une société, si vous voulez, d'affairisme, une société d'exhibitionnisme, surtout en ville, où les gens ont envie voilà, de montrer qu'on est beaucoup plus important que l'autre, nous sommes beaucoup plus respectés que l'autre. Ce jugement social-là a fait que la problématique de la dot prend des proportions extrêmement inquiétantes. Légi tan gi dal lo ci meuna déggé moy nan ko jappandal jeunesse bi bu len ko jappandalé moy tax ñu meuna tak soxna. Maintenant, il faut faire en sorte que la dot devienne accessible aux futurs mariés, afin qu'ils puissent trouver les futures conjointes. Parce que dans ce bas monde, rien n'est facile. Aujourd'hui, les conditions peuvent être dures et vivre un lendemain meilleur. Deux personnes qui s'aiment mutuellement, il faut faciliter leur union. Rien n'est aussi magnifique de voir deux personnes s'unir jusqu'à la réussite. Si nous rendons la dot aussi serre, la personne peut croire que la femme est un danger. Lolu meuna dem ba nit ki sax lamuy joxe day japp di mom limuy jeun ab objet la. C'est simple. Ça peut pousser certains, sous le coup de la pression, à s'acquitter à un certain nombre d'activités, pas du tout catholiques, illicites même. Si on vous met la pression et vous aimez quelqu'un, on vous dit, si vous ne lui versez pas une dot de telle somme, vous ne pourrez pas aussi peut-être être son époux, qu'est-ce qui va se passer? Combien de fois avez-vous entendu, tout récemment, à travers l'actualité nationale, j'ai volé parce que je voulais prendre une épouse. Ok? Ça peut aussi déconsolider les liens sociaux, même au sein des familles. Parce que souvent, quand c'est un mariage endogamique au sein d'une même famille en tant que telle, et que vous leur imposez à verser ce genre de somme-là, certaines familles peuvent se déchirer. Et à ce niveau précis, on parle de déconsolidation des liens sociaux. Mais foncièrement, ça peut mener à deux choses. Un, le taux de célibat exponentiel. Deux, le taux de divorce. Parce que généralement aussi, on peut promettre à une femme de lui verser plus tard une somme conséquente par rapport à la dot et qu'entre-temps, on n'a pas fini d'amasser tout cet argent-là. Après, ça va se répercuter au sein du couple
pour pouvoir peut-être infester le couple en tant que tel. Conclusion, divorce. D'abord par sensibiliser les futurs conjoints. Si dans leur tête, c'est déjà clair et exclusivement pour la femme, c'est elle-même qui viendra dire, écoute, je suis prête à m'engager pour telle ou telle autre personne. Mais s'il vous plaît, ne lui imposez rien. Tout ce que je lui demande, c'est d'amener, voilà, le minimum. Le minimum, c'est quoi? Ce qu'on appelle tout à l'heure les règles édictées et établies par la religion et la culture ou la tradition. Si dès l'instant où on arrive, où il arrive à mobiliser ça, c'est à la dame de venir dire à ses parents, moi c'était l'essentiel. Le reste, c'est des futilités. Mais malheureusement, il faut le reconnaître. La dot aussi, à la décharge des femmes, n'est pas seulement mobilisée pour son propre compte. C'est pour aller organiser une cérémonie. Tant qu'on ne tue pas ce goût et ce culte de vouloir organiser de très grandes cérémonies dans ces pays-là, forcément la dot restera en tant que telle. Rappelons que le mariage n'est pas du commerce. Deux personnes qui partagent leur vie mutuellement facilitent leur relation. C'est cela qui va permettre la société de continuer. Pour que cette continuité soit possible, il faut que les gens puissent se marier. Le mariage va nous permettre d'éviter l'homosexualité parce que aussi l'homme a ses besoins naturels, l'homme a besoin de la femme et aussi le contraire. Si on ne facilite pas cela pour la jeunesse, malheureusement les difficultés ne manqueront pas. Les homosexuels, les lesbiennes seront présents. Conclusion, le malheur nous attendra. Donc facilitons la dot pour les futurs sociétés. Kon dal cheral gëni cheral tian gi inconvénient mo gën waye buñ ko yombalé avantage mo gën. Si ce phénomène des millions est un moyen pour certaines familles de s'enrichir, mais cela a des impacts négatifs pour l'évolution de la société. En effet, cela a pour conséquence l'augmentation du nombre de célibats, des ménopauses précoces, l'homosexualité, les lesbiennes. Question, selon vous, quel est le défi à relever pour les futurs jeunes mariés?